les caravanes qui retiennent mon attention. Salut Kios, les aventuriers sur roue. Aujourd'hui, je te dévoile les caravanes qui ont vraiment retenu mon attention au salon de Düsseldorf 2025. La collection 2025, parce que Düsseldorf, c'est en 2024. Si tu rêves de voyager avec style et confort, tu vas adorer ce que j'ai déniché pour toi. Cette vidéo fait partie d'une série exclusive tournée en direct du Salon international des véhicules de loisirs à Düsseldorf. Je te propose chaque jour un focus sur les tendances et innovations qui marqueront l'année 2025. Et toi, quelle caravane te fait craquer? Dis-le-moi en commentaire et pense à t'abonner. Sinon, la prochaine fois, je te montrerai comment plier une tente en 20 minutes chrono sans manuel. Allez, je voulais vraiment faire des courtes vidéos sur ces modèles-là parce que ce sont des modèles qui me tenaient à cœur de présenter car je les trouve vraiment mais super top quoi. Reste plus qu'à me faire inviter pour te faire découvrir les coulisses. Ça, j'espère que peut-être on m'écoutera et qu'on me contactera. On verra bien. Maintenant, je vais aller filmer la caravane. C'est une nouveauté. Si tu vas voir l'article que j'ai rédigé sur mon blog, tu trouveras déjà la caravane. Mais je vais la filmer à l'intérieur. Quand tu le vois de derrière, on croirait que c'est que c'est un camping-car. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Nouveau, c'était un monobloc. Hein. Allez, regarde. Regarde, ça, c'est d'abord le salon. Et t'es dans une caravane ici, hein. Regarde un peu ça, c'est magnifique. Hein. Je suis bluffé par Wingham, moi. Franchement. Comme ça, tu auras les images. Je vais le mettre sur mon site, évidemment. Mais il est super beau. Regarde le dessus. Hop, 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 hop. Voilà, et on part. Pour la petite histoire, je suis arrivé à 7h30, mais les halls n'ouvraient qu'à 8h. Le point presse, lui, ce n'est qu'à 8h30, donc j'ai ma veste, j'ai tout avec moi, mais je démarre comme ça, on va déjà faire l'extérieur et au pire, je reviendrai faire l'intérieur un peu plus tard. Je m'étais dit, je vais faire un peu de caravane pour les personnes qui me suivent. Voilà, celle-là, 30, on va dire 35 000, hein, parce que je suis certain que tu dois rajouter des petits trucs. Voilà. Moi, je trouve que les prix des caravanes, 35 000, on parle souvent des véhicules des camping-cars, des fourgons, etc. Mais les caravanes, c'est joli, hein, c'est, je sais pas, c'est même très joli. Hein. Mais bon, là, t'as une vraie douche. Ça, c'est parce qu'en général, beaucoup de personnes que je connais qui ont une caravane n'utilisent pas leur douche. Je pense que c'est parce que c'est pas forcément bien étudié. Mais ici, quand tu vois la douche que c'est, tu pourras vraiment l'utiliser. Cette caravane, vous pouvez vivre à 4. Hein. Tu vois, à induction, le plan de travail. Bon, c'est un prix, mais il est aussi bien équipé que dans un camping-car. Donc, j'ai envie de dire, on peut comprendre. Je vais essayer de te faire la plus petite. Comme ça, tu en as vu. Ici, c'est une plutôt middle. Hein. Et je me suis dit, je vais en faire une très grande. Ah, celle-là, je voulais. La sport fun, parce qu'elle est fun. J'aime bien tout ce qui est fun, moi. Et le fun coûte quand même 30 000 euros. Hein. J'arrondis, hein, on s'entend. Donc, voilà. Tu as même une black sélection à côté. Je vais faire le tour comme ça. Tu les vois toutes les deux. Voilà. Je vais aller dans la fun, puis je viendrai faire ici. Voilà. Ouais, je vois que pour le prix, tu as une batterie au lithium LiFePO. Hein. Moi, j'aime bien les petites caravanes un petit peu avec un look tendance. Hein. Voilà. Bon, ouais. C'est fun. C'est fun. T'as de l'espace. T'as de l'espace. Mais bon, chauffage juste à côté du frigo. Pourquoi pas. Une grande porte qui s'ouvre. Là, c'est ton sanitaire. Je vois pas de douche. Là, il n'y a pas de douche. Mais c'est clair, il n'y a pas de douche. Et là, peut-être, à mon avis, hein, ça doit être un système de douche, je pense. Je ne sais pas. Mais je pense, en voyant le tiroir, que tu dois avoir possibilité de prendre ta douche ici en dessous. Je me trompe peut-être. Si tu connais la caravane, ne te gêne pas, quoi.
Voilà. T'as tout, hein, mais... C'est moderne. Je passe dans la tranche du 6. Mais c'est pas pour ça que j'aime bien ce qui est moderne. Voilà, ici, je prends le premium. Bah, c'est la même chose, en fait. Un seul look qui change un peu, mais sinon, c'est tout à fait la même chose. Quand je dis look, c'est les couleurs. Hein. C'est les couleurs. Voilà. Hop, tu as... T'as vraiment de la place pour beaucoup de choses. C'est... Par rapport à la Beach que j'avais déjà fait, celle-ci, elle est plus... Ah! Tu vois, c'est bien ce que je te disais. Regarde. En fait, ta douche, tu ouvres, il y a le bac là qui sort. Ça peut être embêtant avec le tapis, mais enfin, c'est un détail ça. Et puis, tu sais prendre ta douche. Ah oui, tu vois, on peut accrocher. C'est de l'ingéniosité, parce que la douche, c'est une fois par jour. Si vous êtes qu'à deux, ça vous fera maximum si tu traînes une heure. Mais en général, on va beaucoup plus vite dans les, dans les véhicules parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Tiens, il est spécial, c'est là. Voilà, comme ça tu gagnes la place pour le reste après. Celle-ci, c'est la DCO 400. Pratiquement 47 000 euros. Hein. Voilà. Ah ben. Tu vois, elle est atypique. Hein. Logique, c'est, tu pourrais mettre ta moto par exemple, tu vois. Ça te permet d'avoir ta remorque et ton... ta caravane, quoi. Et tu vois, le lit, en fait, il est là au-dessus. C'est quand même original, hein. Ah, pour ceux qui font de la moto, bon, maintenant, forcément, il y a des choses qu'il faudra que tu enlèves et tu auras quand même des pattes, mais... Et c'est super, moi, je trouve. Tu vois, le lit là au-dessus, le lit là. Non, je fais pas dans les plantes, hein. Et là, t'as un grand WC, t'as une... Ce sera un tissu, mais bon, c'est grand, c'est large ici. Et puis voilà, c'est... Je trouve que Knaus pense justement aux personnes qui ont des modes de vie différents, quoi. Donc, pas mal, j'ai envie de dire. J'essaie de trouver une très grande caravane. Je sais bien que les Knaus, on les voit souvent dans les... comment ? Dans les campings. Mais je pense que les grandes sont fermées, on va voir, mais... De mémoire, c'est fermé. Ah non. Oh, c'est génial. Voilà. Ici, par exemple, celle-ci, proportionnellement, 45 000 euros, on ne peut pas se plaindre. Et regarde, c'est... Pff. Maintenant, il faut tracter. Hein. Franchement, c'est un bazar à tracter. Hein. Ce ne sera pas une voiture électrique qui pourra le faire. Et tu vois, tu as la douche là aussi. T'as pas la douche, alors ça va. Ce que j'allais dire, hein, mais non, je vois rien avec la douche. Allô, Morgan. T'as un lit un peu style lit à la française. Et c'est un grand, c'est vraiment pour vivre à plusieurs. Hein. Regarde, t'as la cuisine, propre. Ici, tu as encore pour trois personnes dormir. Tu as encore un coin là. Par contre, s'il y a une douche, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Non. Si c'était ça la douche, c'est un peu scarpe. Allez, je referme. Voilà. Celle-ci, 10 000 euros de moins, un peu plus de 35 000. C'est toujours des grandes portes et ça, c'est plutôt sympa. Hein. Mais de nouveau, on retrouve un peu... L'implantation est un peu différente, mais c'est la même chose. Hein. Il y en a qui disent que les véhicules, ils veulent pas prendre des plus de 6 mètres. Je parle de camping-car ou de fourgon. Hein, parce que c'est compliqué à conduire. Mais je trouve que ceux qui ont... là, tu vois, tu as une vraie douche ici. Hein. Ceux qui ont ce type de caravane, ils sont bien plus courageux. Moi, j'oserais pas. J'oserais pas, je te le dis. Pourtant, j'ai mon permis poids lourd. Hein. Mais voilà, c'est une remorque, c'est pas la même chose. Une grande remorque, hein, parce que je sais pas si tu vois, mais il y a encore des plus grands remorques. Hein. Là, c'est une deux roues, donc à mon avis, elle va être plus grande.
on arrive avec du 44 000, 45 000, c'est pour les mêmes prix en fait. Hein. Les volumes sont plus grands, mais tu as la même chose à l'intérieur. Ah oui, non, là. Ça, c'est de la caravane. Maintenant, si vous êtes à deux, c'est bien. Tu as de l'espace, là, si vous êtes à deux. Non, je suis pas certain qu'il y a un intérêt à avoir une grande caravane comme ça pour deux, quoi. Mais pourquoi pas, hein, celui qui veut. Par contre, rideau, quoi. Ouais, ben, rideau, j'ai envie de dire. Hein. Mais sinon, je vais te dire, si vous êtes à quatre, ben, vous serez tous à faire tout ce que vous voulez faire au même endroit, ici, dans le salon. Voilà. Céline, de chez Tabler, ça fait partie de Knos aussi, hein. Faut le savoir. Voilà, la Céline 750, regarde un peu, tu as sûrement pour brancher, ouais, c'est pour ton eau, pour te doucher dehors si tu veux. Regarde ça, il ressort. Waouh, le prix, à mon avis, ça va piquer. Regarde un peu. Extraordinaire. Mais rouler avec ça, il faut vraiment avoir envie de rouler avec ça. Hein. Alors, le prix, voilà, 123 000 euros. Mais je sais pas si tu te rends compte de la longueur, quoi. Tu vois, tu te vois tracter ça? Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Faut vouloir. Pendant qu'elle fait ça, je vais aller chercher une... Bon, je vais prendre la petite, là, voilà. Enfin, la petite, je rigole, hein, parce que... La 685, à mon avis, ça doit être les dimensions, ça. Voilà. Tu vois, ici, elle a 75 000. Tu comptes 25% en plus, hors de base et option, et avec option. Hein. Donc, ouais. C'est déjà un fameux véhicule. Hein. Regarde ça. Ben, je suis content de pouvoir vous les montrer. Hein. Le salon, la cuisine. Regarde ça. Alors... Une toilette de ce côté-là, une vraie douche. Pff. Enfin, tu vas me dire, à ce prix-là, c'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal. Super, hein. Regarde, tu vois, tu as tout émis. Hein. Tu pourrais, à la limite, laisser ton gaz ouvert dans ta caravane quand tu roules pour que le chauffage aille, etc. Parce qu'il est équipé vraiment comme un camping-car, quoi. Regarde. Regarde ça. Et ici, c'est des baies à cliquer, mais c'est des baies à fleurante. Là, tu vas me dire, sur un... Ça n'a pas forcément... Ça me saoule, ça. Ouais, ça me saoule parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Donc, je vais dire rentrer avec, comme ça. Voilà. De ce côté-ci, tu as un fameux salon, tu vois. Regarde. Bon. Les goûts et les couleurs, je pense que sur ce type de véhicule, tu as le choix avec plusieurs véhicules. Regarde un petit peu la cuisine et c'est ça qui sort en fait. Ça te permet justement de pouvoir avoir un espace immense pour quand tu es à l'arrêt, quoi. Tu as... Chut. Ouais. Ouais. Je suis content de te le montrer comme ça. Tu vois, le lit, ça me fait penser à un Itinéo, mais je crois qu'ils l'ont arrêté avec la télévision. Ici, tu as une vraie salle d'eau. La toilette, elle est basique, c'est étonnant. Mais il y a du rangement, hein. Regarde ça. Et une vraie douche, quoi. Voilà, je suis heureux d'avoir pu te le montrer. C'est quand même étroit quand on a un sac, hein. Mais c'est pas prévu pour avoir un sac. Je suis heureux d'avoir pu te le montrer. Maintenant, je vais au hall 16. Avant de quitter le hall... 4, je vais te montrer ce type de caravane. À mon avis, les prix sont différents. Hein, tu vois, option comprise 22 400 euros, mais évidemment, tu as un autre type de véhicule. Hein, hein, mais globalement, tu as un peu tout ce que tu as besoin. Hein. Tu vois, le look, il est différent. Voilà. Et puis, si en plus, tu mets une tonnelle comme ça quand tu es à l'arrêt, tu as quand même de l'espace pour vivre à l'extérieur. Hein. Allez, maintenant, je vais au hall 16 chez Fleuret de Florium. Juste pour un Sterkman, parce que mon beau-père, qui est malheureusement décédé maintenant, en avait une. Et comme ça, tu auras pour comparer. Ici, c'est 16 000 euros. Hein. Donc, et pour deux. Et tu as même une vitro, pas une vitro céramique, une induction. Est-ce qu'il y a une douche? Ouais.
En tout cas, tu pourras... Non, c'est plutôt une salle d'eau. T'as... Non, t'as pas de douche. Mais bon, je te l'ai dit, hein. Il y en a beaucoup qui ont des caravanes et qui ne se douchent pas dedans parce qu'ils sont en général dans des... Allez, je vais te montrer quelque chose d'original. Regarde, ça c'est plutôt dans l'air du temps. Hein. Regarde. Et t'as un lit pavillon. Voilà, ça vaut 73 000 euros ça. Tout en bois. Hein. Tout en bois. Hein. Bon, t'as pas de douche visiblement. Mais en général, quand on est plutôt bio, on se lave sec. Je rigole. Regarde. Là, c'est l'isolation qu'il y a dedans. Je pense qu'en termes d'écolo, ça doit être top. Tiens, je vais voir une grande. Je suis désolé, je me dis, autant te montrer des choses qu'on ne voit pas toujours ailleurs. Tu vois, ici, c'est 118 000, un peu plus de 118 000. Regarde. Tu vois? C'est joli, hein, ça me fait penser aux roulottes. Mais à mon avis, ça doit être juste sur les marchés allemands. Hein. Ça sent le bois. Un poêle, le lit. Wow. Ouais, écoute, c'est original. Oui, c'est sec, évidemment, hein, ça. Hein. Oh. Tu vois. À séparation. Et là. Hein. Et ils ont même prévu pour les copeaux pour mettre dedans. T'as une vraie douche. Mais bon, il faut vouloir. Mais, comme ça, je te l'ai montré. Tiens, je vais te montrer une caravane à verso. 43 000, 30 000 pour option. C'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris mon sac comme je suis arrivé un peu plus tard. Voilà. J'en vois souvent aussi des Bürstner sur les... dans les campings où je vais, hein. Comme ça vous le voyez, ici à Wapop, il y a même une douche, et visiblement tu sais vraiment te doucher dedans, et ça c'est plutôt bien. Tu vois, il y a une porte ici, donc les choses, tu peux mettre tes habits par exemple là, je pense qu'il y a quand même possibilité. Ah voilà, oui, donc tu as vraiment un espace ici pour pouvoir. Te laver parce que tu as un plexi qui se met de ce côté là, tu couvres ça, ça c'est bien. Il devrait faire la même chose dans certains camping-cars de leur marque. Voilà, ici tu es à 27 000 euros avec les options, 22 500 hors option. Voilà. C'est assez classique ce type là, mais quoi que ça, j'ai quand même des abonnés qui me demandent pourquoi est-ce que tu fais pas des caravanes. Ben, j'en aurais fait quelques comme cela. Et comme l'année prochaine, enfin fin de cette année, mais ce sera à partir de l'année prochaine que je le ferai. Ouais, t'as de la place quand même. Hein. Je vais être à plein temps là-dedans. Je pourrais faire des caravanes aussi. Premium, pas premium. Premium plus 520. Ici, c'est à 510. Et bien voilà, la Premium plus 520. Alors, le prix. 35 000, options comprises. Hein. L'extérieur, je vais le faire après, mais elle me semble assez habituelle. Tu vois, c'est plutôt un format assez grand. Hein. 520, je pense que c'est la plus grande. C'est un frigo à compression. Ah non, absorption. J'aurais cru de l'extérieur, mais ils ont le même look à l'extérieur, donc. Là, par contre, je suis désolé, mais... Ça, ce sera une caravane où on n'utilisera pas la douche. Hein. Ben, c'est ce que je pense. Hein, c'est ce que je pense. Dommage, ils auraient pu s'organiser pour le faire. La table, elle fait se bouger. Tu as un lit pavillon. Voilà. C'est déjà un prix, 35 000. Personnellement, je trouve que pour ce prix-là, tu peux trouver autre chose. De ce que j'ai filmé, hein, tu verras, tu jugeras toi-même. Hein. Voilà, là, tu vois l'avant. Eh bien, je suis content parce qu'en fait, j'ai fait tout ce que je voulais faire chez Bürstner. Ah, Videro. Videro. Ici, la Videro 510. Elle vaut, j'ai pas vu le prix, voilà, 35 000 hors TVA, 39 000, hors option, 39 000 avec les options comprises. Voilà. Donc ça, tu vois un petit peu
Il y a des belles caravanes. Hein. Tu as même une vitre céramique, donc avec une batterie lithium, tu pourras cuisiner. Pas en roulant, évidemment. Hein. Là, c'est un rideau. Hein. Ouais. C'est un frigo à compression, on le voit. Bah, d'ailleurs, c'est écrit, mais sinon, on le voit au-dessus avec la petite grille d'aération. Ouais, je ne te montre pas, mais voilà. Ça, c'est là le Videro. Allez, je vais te faire un exclusif, toujours de chez LMC. Là, on est dans une autre réalité, évidemment. Voilà. Et celui-ci, il te coûte 53 000 euros. Il n'y a pas d'option. Ou alors, elles sont comprises dans le prix. Bon, c'est éteint, je suis désolé, on sera dans l'intimité. Mais là, c'est vraiment un appartement, quoi. Hein. Écoute. Alors, il y en a une, je pense que c'était chez Knaus, qui était encore plus grande, mais le prix était aussi bien plus grand. Hein. Et tu as une vraie douche ici. Hein. Enfin, tu vas me dire, avec la grandeur, c'est normal, mais... Et ici, tu as tout ce qu'il faut. Hein. C'est un frigo à compression, à absorption. On le voit parce qu'il n'y a pas de grille dessus. Tu as la cuisinière avec le gaz, avec, je pense, un grill. Et ça, c'est complet. Hein. Ça, c'est complet. Franchement, content d'avoir pu te le montrer. Alors, dans les caravanes, j'avais mis Bedouin Scandinavia. Je vais te rentrer dans celui-là. 44 000 avec les options comprises. Ah, c'est différent. J'allais dire, pouf, mais non, en fait, le lit est comme ça. T'as une fameuse douche. Oh, ça, c'est un prix aussi. Hein. T'as déjà quasi un camping-car avec ça. Mais ceux qui sont amateurs de caravane ne voudront pas de camping-car. Et il est spacieux, hein. Franchement, là. Si vous êtes à deux, il n'y aurait pas de problème. Quatre, il faudra faire les couchettes parce qu'il n'y a pas un lit pavillon, mais... Voilà. 690, mais voilà. Donc celui-là, c'est 59 000 euros. 10 000 euros en moins si tu ne prends pas les options. Ah oui. Et, hein, frigo absorption, mais je suis certain que tu pourras l'avoir à compression. Ça, tu as une vraie cuisine. Tu as un salon de chez salon, quoi. Hein. Là, on peut recevoir des amis. Hein. Oh, 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 oh. Un vrai lit pour deux personnes. Et là, évidemment, ah ben là, il y a quand même des caravanes qui valent le coup. Hein. Je suis épaté. Bon, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis pas, c'est comme pour les fourgons. C'est pas moi qu'il faudra demander d'aller. Je te montre une caravane de marque Fendt. Elle a 560. Bien celle-là, celle-là. 560 SG. Donc celle-là, je vois pas le prix. Donc je n'aurais pas de dire le prix. Mais comme ça, tu as une idée. J'essaie de vous montrer plusieurs marques différentes dans les caravanes. Et puis, j'ai envie de vous dire, fin de cette année, je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Ne vous gênez pas de me dire quelle caravane vous auriez envie que je vous présente. Comme ça, ça peut se faire. Bon. Là, tu vois, c'est vraiment... J'ai vu mieux. Voilà, je te le dis. Ça, c'est une Fendt. Maintenant, il y en a peut-être qui sont mieux. Hein. Je ne connais pas Fendt. Si, la marque, je la connais. Hein. On en voit beaucoup dans les campings et sur les routes aussi. Donc, celle-là, elle est plus grande. Tu vois, c'est la 650. Mais de nouveau, il n'y a pas de prix. Price. 46 000. Donc, je vais aller voir l'autre. Au niveau du prix de la 560, option comprise, 40 000 et 37 000 de base. Donc ici, hors option, 43 000 et 46 000 avec les options. Voilà, là c'est, je pense, le format qui doit être dans les plus grands, tu vois. Et là on arrive, allez, c'est... Ça correspond à d'autres marques que je t'ai déjà montrées, hein. Mais quoi que ça... Tu vois la différence. Voilà. Frigo, je pense que c'est à compression. Bien. Et non, vraiment bien, bien. Si tu veux savoir sans devoir l'ouvrir, si la compression ou pas, à compression, il y a toujours au-dessus ou en dessous une aération que les Trimix, les absorptions pas. Voilà.
tiens, il y a un passage de roue, pour une fois, c'est comme dans un camping-car. Voilà. Le lit, il est bien, je ne vais pas te refaire le coup du lit là cette fois-ci. Hein. Voilà, mais donc ça veut dire que quand tu te mets en position lit, forcément, tu n'as pas autant d'espace pour passer. Quoi. Voilà, la toilette. Et je suis content parce que je te montre une caravane Fendt avec une réelle douche. Quoi. Voilà. Bon, c'est quelques milliers d'euros en plus, mais pour moi, au-delà des milliers d'euros en plus, c'est surtout, j'ai oublié de te dire, mais tu as même le four, hein, c'est surtout plus loin à conduire. Quoi. Allez, je fais la dernière ici, c'est une 495, 495, comme ça c'est un format un peu plus petit. Voilà, au niveau du prix, s'il veut bien, voilà, c'est 33 300 avec les options et 29 000 sans les options. J'essaie de vous montrer ça, c'est parce que je sais qu'à Villepinte, il y a moins de caravanes. Donc voilà. Il y en a déjà beaucoup moins cette année. Hein. Voilà, ici, c'est des lits jumeaux. Bah, ça, je suis désolé, mais ce type de douche, c'est pas pour moi. Mais c'est moi. Hein. Maintenant, c'est clair qu'en général, les caravanes, ils ont tendance à aller dans les campings. Donc, j'ai beaucoup de connaissances. Ils n'utilisent pas les douches de leur... je vais y arriver, c'est le matin. de leur véhicule. Ils vont plutôt dans les sanitaires. Quoi. Donc ça, c'est une idée. Je regarde là. Mais, ouais, tu vois ici... Allez, je fais la dernière. J'ai dû en m'arrêter, moi. 33 000 avec les options et 30 000 sans les options. De nouveau, ici... Non, pas de nouveau. Ici, ce sont des lits. Ça, c'est pour 4, quoi. Hein. Voilà. T'as vraiment là, les parents qui peuvent dormir là. Et s'ils sont vraiment fâchés, ben, ils dorment là et les enfants dans l'autre lit, quoi. Voilà. C'est joli, hein, c'est joli. Mais de nouveau, moi, la douche... De nouveau, ça, si moi j'aurais pas de caravane parce que j'ai pas envie de me trinque-baller avec un truc derrière moi comme ça, mais si j'avais une caravane, moi je suis désolé, j'utiliserais mes sanitaires. On va faire une hobby. Hein, dans les caravanes, je pense que j'avais écrit hobby, caravane prestige, maxima, ah bah, première prestige, pardon. Ok. Prestige, on rentre dedans, hop, je vais regarder le prix après. Ah oui, je comprends que ça soit Prestige, c'est Hobby, hein. Donc on est passé de chez Fendt à Hobby, donc ça, tu vois la différence. Je vais regarder le prix, parce que j'ai pas regardé le prix avant, il y avait juste quelqu'un devant moi. Ça c'est dommage. Elle me paraît quand même mieux que celle de chez Hobby, mais c'est un véhicule prestige ici, donc ça doit être mieux. Je regarde ici, c'est une 620 et le prix 50, pff, c'est plus cher évidemment, c'est 50 000 avec les options et 36 470. Une autre prestige, c'est quoi ça? C'est une excellente édition. On va voir ça. Ouais, tu vois, c'est... Je trouve que le look est plus sympa dans une Hobby que... Mais là, t'as carrément pas... Ah si, waouh. Et... Oh, je suis content d'être entré dans celle-ci. Ça cache bien son jeu. Waouh. Waouh, Hobby, bravo. Les jumeaux. Maintenant, pour deux, c'est l'idéal. Et je suppose qu'on fait une couchette là. S'ils ont le même modèle avec un grand lit... Ce serait bien, quoi. Ça, je suis impressionné. Et dire qu'à la base, je ne devais pas faire des caravanes. 31 500 et 35 000. Elle n'est pas plus chère que l'autre. Je vais te montrer les Beach, mais va voir sur ma chaîne. C'est joli, c'est bien présenté. Parce que je vous les ai déjà présentés. Je pense que je vous ai présenté la plus grande. Je le fais vite fait comme ça, mais moi, je trouve vraiment qu'ils ont bien arrangé leur... leur stand. Ouais, c'est celle-ci que je vous ai montrée. Elle est sur mon site, hein, vous pouvez aller la voir si elle vous intéresse.
C'était juste pour le fun, ça. Cette Adria-là, si tu veux la voir, cette caravane, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. Non, c'est pas la même. Oui, c'est le même extérieur, mais l'intérieur, je dis ça, c'est parce que si tu vois, tu as la cuisine qui est là. Tu vois? Et là, non, parce que l'autre, celui que j'avais fait, tu avais un lit transversal. Ici, ce sera des lits jumeaux, soit des lits où on se bécote le matin ou le soir. Hein. Bon. Tu as une douche qui sera utilisable. Il faudra essuyer, mais tout est plastique, donc ça va le faire, je pense. Mais c'est assez simple. Hein. Je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite, je trouve qu'on ne retrouve pas forcément la pâte qu'on retrouve dans les camping-cars, tu vois. Et ça vaut 25 000 euros. Et le look est différent, donc c'est ça que c'est intéressant que tu puisses voir. Je voulais te montrer quelque chose qu'on n'achète pas forcément. Ça ressemble plus à un mobilhome que, tu vois, c'est la Stella 704 et ça vaut 78 000 euros, 78 000 euros. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans, c'est quasi une maison, un petit mobilhome, quoi, hein, tu vois, une grande cuisine. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ce sera facile à nettoyer. Là, tu as encore du rangement, tu as une hotte. Une vraie hotte, c'était dans une maison, quoi. Tu as un four, le frigo, c'est un frigo à absorption. Voilà. Ce design, je trouve que ça ressemble plus à un musée, je ne m'imagine pas m'en l'avoir. Voilà. Parce que tu vois, t'as beaucoup d'espace, t'as beaucoup d'espace, mais beaucoup de vide, quoi. Et en plus, regarde, tu as une toute petite table, quoi. Je sais pas, mis à part mettre ses verres, si on est à plusieurs, pour manger, vous ne pourrez pas plus être à trois, par exemple. Une grande douche, tu as même dans ton lit, tu vois. C'est un grand lit, hein, ça. Tu es à la maison, quoi, ici. Hein. Et tu regarderas dehors ou on te regardera de dehors. Là, c'est de la toilette. Je me dis que ça ressemble à être une toilette classique, ça mériterait d'avoir autre chose. Enfin, 74 000. Je vais faire l'extérieur, je vais te le montrer. Voilà. Je te dis, moi, je trouve que ça relève plus du musée que d'une réelle caravane. Enfin, je sais pas si tu t'imagines rouler avec ça. Faut vouloir, quoi. Hein. C'est immense, quoi. Tu vois? Et la cassette OEC, je pense que c'est vraiment du très traditionnel. Hein. On va regarder, mais... Oh, tu vois, à ce prix-là, moi, je m'attendrais à autre chose dans une caravane. Hein. Alors, je vais t'en faire une grande, mais plus traditionnelle. Je vais dire l'Alpina 753. Je m'attarde plus sur les caravanes cette année. Hein. Hein. Voilà. Et ici, ça vaut, par exemple, 55 000 euros, on va dire. Hein. Je dis 55 000, c'est parce que comme les TVA changent entre l'Allemagne et la France-Belgique, c'est un peu différent. Bah écoute, moi personnellement, ça coûte 20 000 euros en moins et je préfère nettement celle-ci, quoi. Je sais pas si tu vois. Non, non. Alors là, je suis bluffé par Adria. Franchement, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Bon, ce sont des lits jumeaux, mais ils sont larges. Il y a des moments où vous pourrez être tous les deux sur le même. Et une grande douche. Non, non, ça. Tu vois, moi personnellement, je préfère nettement celle-ci à celle que la grande, l'Altéas, je pense que c'est. Mais maintenant, pour voyager avec ça sur les routes, il faut y aller. Hein. Je t'ai déjà montré ce type de caravane. Hein, c'est plutôt pour des baroudeurs. C'est... Enfin, tu as tout ce qu'il faut avec des panneaux solaires ici qui sont extensibles en plus, je ne sais pas si tu vois. Voilà, tu as pour dormir. Ça ressemble à ce que je t'ai déjà montré. Je suppose que c'est juste pour l'Allemagne. Mais comme ça, tu vois aussi autre chose. Tu as la cuisine qui est à l'arrière. Tu vois, ils ont une grande toile. Comme ça, même quand il ne fait pas forcément bon, tu peux te mettre dehors. Mais bon, ça c'est vraiment 19 000 euros.
Bon, avec les options, on en arrive à 23 500, c'est un peu le prix de ceux que je t'avais montré. Par contre, là, on passe à l'extrême. C'est une VIP, c'est à partir de 47 000 €, mais celle-là, elle fait 49 000 €. Je te montre des extrêmes. Hein. On rentre dedans. Là, tu as une chambre pour tes deux enfants et ils peuvent s'amuser et ils ont bien organisé. Et vraiment, c'est bien. Là, c'est sûrement du rangement. Tu as du rangement. C'est une fameuse caravane, hein, faut se balader avec, hein, mais elle est jolie. Et pour le prix par rapport à ce que j'ai vu, c'est super bien positionné. Et tu as four, grill, tu as tac, enfin, tac, plan de cuisson, tu as vraiment un beau salon, tu as un lit pour les parents, la chambre séparée. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas mal, hein, regarde un petit peu. Et regarde la douche, c'est une grande douche. Superbe. Hein. La marque, c'est, je te montre à l'arrière, comme ça tu vois, c'est RS Camp. RS Camp. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est vendu en Belgique ou en France, mais en tout cas, ça vaut la peine de le voir. Donc, ici, c'est... Je ne connais pas. Donc, c'est Aquila Caravan 360 et je ne vois pas le prix. C'est pas grave. On rentre dedans, je te montre. Je suppose qu'on peut marcher dessus, sûrement. Voilà. Et ça, c'est original, hein. Franchement. Tu vois, tu as là... la toilette que tu recaches. De ce côté-ci, tu as tout le coin cuisine. Puis, c'est différent, évidemment. Et là, c'est... Comment ? Ça se saoule. Regarde un petit peu. C'est joli, quand même. Nouveau, je pense que c'est asiatique. Hein. Et je suis content. Je vais ressortir. Hop ! Je te montre le look à l'extérieur. Regarde. Et à mon avis, elle doit être super légère. Hein. Je vais te montrer pourquoi je dis ça. Regarde. Et c'est original, ça. Hein, regarde, tu vois, tout est en alu. Tout est en alu. Quand même intéressant. Hein. Allez, on va aller voir celle-là qui est tout à fait différente. Regarde. Ici, tu as une vraie caravane. Hein. Tout en alu. C'est vraiment pas mal. Viens, hein. Morgane. On va regarder un petit peu dans la douche, tu vois, top, hein, franchement, c'est vraiment original. Bon, alors, tu as de l'espace, c'est pour deux, hein, faut pas, tu vois, à mon avis, c'est asiatique parce que c'est encore les prises américaines. Voilà. Vous parlez français, hein? Un petit peu. Hein, bien. Okay. Ok, en tout cas, super. À tout à l'heure. Alors. Cette année, au salon de Düsseldorf, le petit Marcel, c'est à peu près 80 km. 80 km. J'ai frotté mes yeux quand j'ai regardé. 120 000 pas, 50 heures de présence et pratiquement 20 heures de tournage de vidéo. Évidemment, vous allez voir maintenant le résultat parce que dans les 20 heures, il y a souvent beaucoup de déchets, évidemment. Hein. Mais voilà, ça c'est quelques chiffres, statistiques. Alors, dis-moi en commentaire quelle marque a su te séduire. Et si tu t'abonnes maintenant, je te promets une exclusivité, une danse endiablée avec un camping-car. Ou presque. Hey, tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage? Non? Non? C'est pas une légende urbaine, c'est vraiment vrai, elle existe. C'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier, que ce soit ton pyjama, ta brosse à dents, ou même ton canard en plastique préféré. Quand tu pars à l'aventure, évidemment. Et devine quoi? Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends? Une invitation du signe divin? Eh bien voilà, c'est fait le signe divin. Pour rejoindre le club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par ici et c'est par là. Ne jamais oublier que Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré. C'est moi, évidemment. Prends soin de toi. Ciao, ciao.